Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo en fait pour vous faire voir les petits changements qu'on a opérés au poulailler, enfin au village des Gallinacés. C'est qu'en fait on a réinstallé le bac à cendres, enfin à cendres, terre, tout ce qu'on veut, ici, parce qu'avant il était là-bas, dans ce petit coin-là. Et en fait on s'est aperçu que les poules n'ont jamais voulu mettre les pieds à l'intérieur. Donc on s'est dit mince. Pourtant, sable, cendre, ben, on n'a pas trop compris. Donc en fait, on l'a changé de place et on est venu le mettre ici. Et du coup, et ben là, c'est la grande joie. Tout le monde s'éclate, tout le monde se roule. Tout le monde se barbouille. Même les petits sont allés ce matin avec la maman. Donc c'est la grande éclate. Donc en fait, comme quoi, des fois, il suffit simplement du lieu où on le met, où on fait les choses, en fait, pour que ce soit différent. Là, je suis super contente parce que, bon, ben, voilà, quoi, ça nous attristait un petit peu, on va dire, de voir qu'on leur avait fait ce qu'il fallait pour qu'elles puissent se rouler dedans et puis qu'elles ne le fassent pas. Et puis, bon, comme on sait qu'en plus, les poules adorent ça, on comprenait pas trop. Et bien en fait c'est juste une question d'exposition je pense. Donc voilà, maintenant le bac est utile, il sert à quelque chose. Les poules sont contentes et nous aussi. Donc voilà, et là on a les petits qui font comme les grands. Voilà, on se roule. On se met dans la terre, on sent poussière. Voilà. Que je dis souvent, je dis les poules elles se roulent dans la terre, elles se mettent dégueulasses, c'est impressionnant que ce soit la terre, la cendre, et elles ont toujours des plumes magnifiques. Moi si je fais ça une fois, voilà, je vous laisse imaginer le résultat quoi, surtout avec mes cheveux longs. Bref, voilà, et ben sur ce c'était une petite vidéo rapido, voilà, avec Mathilde qui est là. Hier elle est devenue, elle a pété un câble. J'ai sorti un morceau de saucisson en fait, mais elle m'a littéralement sauté dessus. Mais j'avais beau me mettre par-dessus pour protéger mon saucisson, non, 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 elle m'a sauté dessus, mais gentiment, hein, c'est pas, c'est une poule, elle est carrément adorable, très câline. Mais c'était, je passe par tous les petits trous pour essayer d'aller chercher le saucisson que je planquais de tout mon corps en fait. Voilà, et puis tout le monde ben, continue à profiter un petit peu dehors, voilà. Et puis là-bas, on a les petites bramas qui sont toujours aussi un peu timides. Mais bon, ça viendra. Il hein, faut laisser le temps pour faire les choses. Et puis voilà. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée sur ce soleil. Ça fait du bien. Surtout en sortie de Covid. Voilà. Allez, ciao.